second gardien grenoblois. Il n'entendra pas ce message puisqu'il est sur le banc, mais bon anniversaire tout de même. Peut-être la vidéo avec le premier slap. Yorainen, c'est parti fort celui-là. Maxime Legault aussi, hein, l'ancien grenoblois qui fait des merveilles et qui va peut-être faire la différence. Oula, attention. Attention, parce que ça aurait pu passer. C'est rentré dans Stepanek. Ouais. Puis tout à l'heure, ça s'enchaîne. Et là, pour l'instant, on est sur un moment fort de la part des hommes de Girkiao. Ce tir, ce rebond. Oh, le palais qui a traîné devant le slot de Gaëtan Richard. Et le palais qui, de nouveau, grenoblois. C'est 4 minutes de powerplay. Oh, attention. Passe un petit peu forte, et oui, pourtant il y avait de la place à la bleue. Risque maîtrisé. C'est bien trouvé ce tir, le rebond. Et l'ouverture du score à Paul Sud, elle sera grenobloise. Et c'est Marcus Pokula qui vient ouvrir le score après une excellente occasion qui s'était procurée. Contre supériorité numérique, il y en a encore une à venir. Un Bordeaux qui reste à 4, c'était un 2 plus 2. Et encore 2 minutes de supériorité numérique à venir. Contrôlé pour Grenoble, Sacha Trey qui va aller faire le tour de la cage. Oh, il l'a remis dans le dos. Magnifique, en 2 temps, 3 temps, 4 temps. Oh non, oh, tout Paul Sud y a cru à celle-là. Pas mal, ouais. Très très bon même. Par contre, du côté de Bordeaux, effectivement, ça a pris moins de tirs. Alors autant un premier tiers-temps, du coup, ça confirme un petit peu ce qu'on pouvait voir en direct. Attention, le deuxième but. Oh oui, l'égalisation de Bordeaux. Alors qu'on était justement en train de dire que ce deuxième tiers-temps était à l'avantage des grenoblois, 20 tirs à 5. C'est Spinozzi. Et là, ouais, Spinozzi qui nous fait une performance héroïque. Là, il bloque le tir en défense, il met les tirs qu'il faut en attaque. Là, pour le moment... Et à cause du Covid, évidemment. Quel tir ! On va dire que c'est un mal pour un bien avec tous les remplaçants. De go encore, et voilà, Bordeaux qui est installé. Les boxers. Ça fonctionne bien en haut, oui. Et le tir un peu forcé, où il se passe énormément de choses, mais où le jeu est pas rapide. Après, on approche aussi de la fin de match, hein, les organismes qui fatiguent, et encore une fois, on rappelle. Tire le but ! Bordeaux ! Le but ! La déviation ! Pour les boxers. Ouïouïouïouïouï, obstruction. Ah non, aïe aïe. Ah, c'est dur. Poudrier, le palais récupéré. Par les Bordeaux, où ça a été dévié. Oh, c'est parti juste à l'extérieur du poteau et du petit filet. Dans la bleue, enfin dans la zone offensive, pardon. Fabre qui va pour essayer de partir en contre. Oh, ils sont deux, la passe qui était compliquée mais qui a été trouvée. Tartari à la rouge, à bleu. Décidément, la cage de Bordeaux. Allez, 15 secondes, c'est le moment d'agir. On va tenter de... On fait mariner tout ça, on fait mariner avant la dernière attaque. Avec Deschamps. Le palais qui traîne encore. En deux fois, il reste 5 secondes. Il est pas sorti ce palais, il va falloir prendre un tir pour Grenoble pour tenter le coup. Avec le tir d'Henri Linder, mais ce sera contré, on va en prolongation, ça sera Paul Sud. Et prolongation. Sacha Trey, il a raté son tir au but tout à l'heure, même si c'était pas passé si loin. Il va se frapper. Et c'est but. Et là, ça s'inverse. La balle de match, elle est du côté de Bordeaux maintenant. Va-t-il permettre de sauver Bordeaux une deuxième fois? Et non, Grenoble gagnera. Grenoble bousculé. Grenoble énorme, énormément